Ok. Mais tu sais pas ce que je veux dire. Ah si, t'es là, tous les concerts. Donc du coup, petite question, qui a entendu, il y a très peu de temps, soit dans les magazines, soit à la télé, j'ai annoncé quelque chose. J'ai annoncé mon dernier et cinquième album. L'enceinte. J'adore, il y a tous les visages. Il y a les papas qui sont super contents parce qu'au moins ils ne se taperont pas ce genre de concert. T'as les petites filles trop tristes. Mais pourquoi? Non, mais alors, justement, j'ai profité de ce moment-là. Parce que là, on a un vrai moment privilégié, en vrai. Public, en face de moi, directement. En télé, dans les magazines, on n'a jamais trop l'occasion de pouvoir bien s'exprimer. Donc c'est un petit peu remixé, amplifié parfois. Donc voilà, j'ai effectivement annoncé qu'après mon cinquième album, qui est actuellement en préparation sur My Major Company, j'arrêterai. C'est mon dernier album. Ok, bah donnez-moi des raisons que je regarde. Parce que t'es enfant, il m'a pas cédé. Il y a 5 ans et demi. C'est bien, mais tout le monde est au courant en fait. Donc voilà la raison pour laquelle j'arrête après ce cinquième album. C'est une décision qui est très difficile, certes. Voilà, ça fait depuis 2007 maintenant que je suis sortie de Popstar. Vous m'avez connue, j'étais... Je sortais de l'adolescence, aujourd'hui je deviens une femme et j'ai effectivement un petit garçon de 5 ans et demi, junior, qui a bien grandi. Et l'année prochaine, mon fils va rentrer en CP. Et je m'étais fait une promesse il y a déjà quelques années, c'est que quand mon fils rentrera en CP, j'arrêterai cette carrière de chanteuse pour me sacrifier à cette vie de maman, qui est pour moi aussi très très importante. En tout cas, j'ai vécu ce rêve pendant 6 ans qui a été juste magnifique. Avec un public comme vous, j'ai réalisé mon rêve de petite fille. Mais j'ai un deuxième rêve de petite fille, c'est d'être une super maman modèle comme ma maman l'a été pour moi. D'être là pour mon fils et surtout d'enfin fonder encore une famille, et avoir d'autres enfants et pourquoi pas me marier et être là pour ma famille tout simplement. Et donc voilà, et c'est vrai que pour moi, je trouve que la vie d'artiste est un peu pesante pour créer ce genre de choses et pour l'évolution de mon enfant. Donc voilà, on va arrêter de déblatérer, sinon je vais pleurer. Donc tout de suite, j'aimerais chanter une chanson pour mon fils.